Sur un serveur jeu de rôle d'Altis Life, un mode d'Arma 3. Comme celui-ci relativement peu connu, il m'a paru important de vous le présenter rapidement. Altis est une île immense, peuplée de civils, de rebelles et de policiers. Les civils peuvent vaquer à de multiples occupations comme ramasser des pommes, des pêches ou en faire de la pêche, t'as compris? L'avidité n'épargne malheureusement pas Altis, qui voit bien souvent certains de ses habitants civils s'adonner à des activités illégales comme le trafic d'héroïne, de cocaïne ou de carapace de tortue. Poussé à l'extrême, ces comportements mènent à la formation de gangs et de factions rebelles qui peuvent braquer la réserve fédérale, prendre en otage des civils ou uriner sur des policiers en exercice. Lolilol. Les forces de l'ordre sont là pour veiller à la sécurité des honnêtes gens et empêcher toutes les opérations non autorisées. Bonne vidéo à tous. Terminé. Attends, 4 otages, on demande 100 000 à un négociateur et un hélico pour partir, sinon on tue les otages, vous avez 20 minutes top chrono à l'hôpital de Kevala. Oh là là. Moi je dis on coopère en fonction de la situation, on leur tombe dessus comme des gros connards. Je suis pacifique, je répète, je suis un officier de police et je suis pacifique, hein. Je suis le négociateur, laissez-moi arriver, je suis... Ok, j'arrive, regardez, mon arme est baissée, hein. Je viens pour parler, je répète, je viens pour parler. Terminé. Ils sont combien? Vous voyez quoi depuis l'hélico? C'est bon, il n'y a que moi qui arrive. Nous avons reçu votre requête. Alors je vous dis ce qu'il y a. Donc alors, il y a un mec qui vous vise là. Il y a trois rebelles. Trois rebelles et quatre civils. Ils ont couché à terre. Ok, vous... Est-ce que vous pouvez retirer vos revendications, s'il vous plaît, monsieur? Mon nom est Amixem ici, là. T'appelles comment? Amixem, c'est marqué sur ma tête. Ok, Amixem, on veut un hélico, tout de suite. D'accord. Ce que je vous propose, c'est que tout de suite, vous allez pouvoir avoir un hélicoptère, mais qu'en échange, vous me donnez deux otages. Les 100 000 dollars, vous allez les avoir, messieurs. Je vous promets, je vous donne ma parole de négociateur que vous allez avoir les 100 000 dollars. Mais cela demande un peu de temps. Il nous faut aller à la banque fédérale pour aller chercher une mallette de cash. D'accord ? Vous allez à la banque. Vous revenez avec l'hélico. Vous le posez sur le toit là. Un hélico va se poser ici. Il sera pour vous. Et vous allez l'avoir tout de suite. En échange, je voudrais deux otages. Et la mallette de 100 000 dollars de cash va arriver sous peu. J'ai besoin de plus de délai pour l'argent, ok ? Très bien. Alors, donnez-moi déjà un otage et l'hélico se pose. Et dès qu'il est posé, le deuxième otage vient. Allez, un otage là, Victor, laisse-moi. Va près du flic. Allez, monsieur, venez. J'ordonne le posage de l'hélicoptère. Allez, monsieur, allez vous mettre de sécurité là-bas, dépêchez-vous. Non, c'est bon. Messieurs les otages, nous allons vous sauver, ne vous inquiétez pas, hein, c'est bon. Hein. Nous allons coopérer avec ces messieurs qui sont de toute façon très gentils et tout va bien se passer. Hein. Et ne provoquez pas les gens qui vous séquestrent en ce moment, ça va mal se passer sinon. Hein. Je vous demande de patienter, l'hélicoptère est en route, hein, ne vous inquiétez pas, il va se poser. Oui, je sais, ça va arriver tout de suite. Je vous ai donné ma parole, faites-moi confiance, il faut être patient, c'est tout, hein. Ils sont combien de rebelles? J'en vois 1, 2, 3, 4. Très bien, j'ai entendu le délai que vous m'avez donné, monsieur. Ce qui va se passer, c'est que mon collègue est parti acheter un hélicoptère et sera là dans 5 minutes. Je vous promets que dans 5 minutes, sur ce toit, il aura un hélicoptère, ok? Il n'y a pas tout qui ressort. Mais là, je suis actuellement en train de gérer une prise d'otage et je me chie dessus. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Si vous voulez vivre, vous partez immédiatement. Alors, footing, gnagnagna. Vous pouvez regarder dans cette direction, vous allez voir l'hélicoptère qui arrive. Hein. Évidemment, il y a mon collègue qui va sortir et qui sera pacifique. En échange, une fois qu'il sera posé, je veux un otage. C'est ce qu'on avait convenu, hein? Oui,
Dès que l'hélicoptère se pose, je vous en otage. Très bien, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Vous et moi, nous voulons la sécurité. D'accord, d'accord. Je dis à mon collègue qui me rejoint. Dès que tu sors de l'hélico, tu me rejoins. Ouais, je t'entends. Ok, il baissera son arme, il baissera son arme. Il a compris. Il ne fera rien d'autre, vous inquiétez pas. Pas de balles, pas de tir, nous ne paniquons pas. Ils sont que 4. Hein. J'en ai 2. Est-ce que tu peux... Wow, wow, pas de balles, pas de balles, pas de balles, pas de tir. Pas de tir. Monsieur, allez, venez, 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 dépêchez-vous, dépêchez-vous. Courez, courez vers la sortie, dépêchez-vous. Dit qu'on les défonce. Monsieur, monsieur, sortez immédiatement, immédiatement. Vous sortez de cette zone, c'est très dangereux. Oui, je sais, il s'en va. Dépêchez-vous de partir. Attends, viens avec... mec, viens avec moi, parce que sinon ils vont pas être contents. Viens, 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 viens. J'ai fait... Viens, viens, viens. Il a son arme de baisser, rien ne va se passer. Bon, on leur pète la gueule ? Non, bah, attends, c'est chaud, c'était mieux avant. Ouais, ouais. Descends, 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 descends. Vous désirez combien ? Vous savez, ce n'est pas facile de trouver 100 000 dollars ici, hein. C'est difficile, hein. C'est normal. Hein. Ok, j'arrive avec les 100 000, 17, puis on les bute. Ok, j'ai mon collègue, il s'appelle Gorky, d'accord. Il s'appelle Gorky, il arrive, il a 100 000. Je vais tenir ma parole. Hein. Vous arrivez avec 100 000 dollars fictifs, vous posez sur le toit, et comme ça on va les prendre en sandwich parce que vous serez deux. Très bien, c'est la manette, il va se poser, va vous donner l'argent. Est-ce que, il me faut un otage en attendant, un otage, c'est normal. Non mais dès que tu descends, dégagez. Attends, avant d'engager l'assaut, vous faites gaffe les gars. Oui. D'accord, très bien, c'est entendu. Bon, dès que tu descends, en fait, il veut que tu baisses ton arme. Tu le fais pas. Là, ça va chier. Ok. Je vais tuer directement le premier. D'accord. Et après, il y a. C'est bon, vous inquiétez pas. T'as des mecs derrière le mur, en fait, là. Je suis mort. Unité 2, on vient d'arriver au cocaine processing, il y a des civils sur zone, on va procéder au contrôle. Over. Ils sont 3 et ils ont un hélico bleu et blanc. Simple vérification de routine, monsieur. Vous n'avez pas trouvé d'autre endroit pour atterrir qu'ici, monsieur, c'est ça. L'hélico est tombé, vous voulez que je fasse quoi? Si, messieurs, on va procéder à la fouille du véhicule et pour l'instant tout va bien pour vous. Monsieur Terracide, vous êtes libéré, vous pouvez appuyer sur V. Je vous remercie, vous êtes adorable. Vous pouvez vous libérer, messieurs, je vous souhaite une excellente journée. Merci, ouais, je viens de voir ça. Et là, ils se foutent vraiment de notre gueule. 15 ans de métier, j'ai jamais vu ça. Ils ont dû balancer toute la coke avant qu'on arrive. Qu'est-ce qu'ils font là? Je veux savoir ce que vous faites encore là, messieurs. Vous voulez bien aller à Kavala, si j'ai bien compris? Ouais, c'est bon, on peut aller à Kavala. Non. Quel était l'objet de votre visite dans le secteur, messieurs? Bah nous, à la base, on voulait partir à la mine. À la mine? Mais on a eu un petit accident. D'accord, et comment s'est produit cet accident? Vous avez croisé une mouette? Non, on a eu en plein vol. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a le rotor qui est parti. Un rotor qui est parti? Bah le rotor, il s'est cassé, en vol. Comme ça? Bah apparemment oui. Ce qui vous a forcé à vous poser à côté d'un endroit extrêmement dangereux qui sert pour beaucoup de personnes. L'endroit le plus proche quoi, parce que sinon on allait s'écraser donc. D'accord. Incroyable le hasard, monsieur. Non. Messieurs, vous êtes conscient que si on vous revoit dans des régions sensibles comme celle-ci, ça va être compliqué de vous croire qu'un rotor est parti comme ça. Oh mais on traîne pas là-bas nous. On va faire un hasard. J'espère bien, monsieur. Excellente journée, messieurs. Nous avons interrogé votre témoin. Bonne journée, au revoir. À la prochaine.
Quelle salope, Terracide. Quelle salope. Il pue la dope. Je sens la cocaïne d'ici.